L'arbre abrite et nourrit l'homme qui se défend. Amènerait qui veut sa femme et son enfant, car la femme au combat n'est plus que la femelle. Elle anime le mâle et charge les fusils, et le sang qu'elle verse en allaitant ses fils donne un goût de vengeance au lait de sa mamelle.